Autre grand titre de l'actualité de ce mardi en Aquitaine, c'est donc le rejet par l'administration du plan de sauvegarde de l'emploi de Ford pour la fermeture du site de Blanquefort. Un répit d'une vingtaine de jours est accordé pour revoir la copie. Philippe Poutou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très concrètement, c'est une bonne ou une mauvaise décision de l'administration du point de vue des salariés que vous représentez ? Pour nous, c'est une bonne décision, c'est ce qu'on demandait, c'est ce qu'on espérait. Les dernières réunions qu'on avait eues à Bercy, c'était pour demander à ce que ça se passe comme ça, parce que le fait que ce ne soit pas homologué, c'est quand même d'abord une claque à Ford, une petite claque, parce que ça montre qu'ils ne sont pas dans la légalité, et puis ça permet de contrer leur logique destructrice, qui est celle de fermer une usine. Et donc c'est important pour nous, parce que ça donne du délai supplémentaire, et ce délai supplémentaire, ce n'est pas garanti, mais on espère, ça permette de concrétiser un projet de reprise, ça permette de faire changer d'avis Ford, c'est-à-dire les contraindre à enfin accepter d'envisager ça et de vendre son usine. Et puis ça permettrait aussi, du côté du repreneur, de préciser son projet, puisqu'aujourd'hui, même de ce côté-là, ce n'est pas si simple. Donc on voudrait que l'État intervienne dans tout ça, mais qu'au bout du compte, il y ait une solution qui permette de sauver au moins un bout d'usine avec à peu près 400 emplois, sans parler de tous les emplois induits qui sont concernés dans la région bordelaise. Alors avant de poursuivre cet entretien, je propose d'écouter les réactions des élus de tous bords au rejet de ce plan de sauvegarde de l'emploi de Ford, en compagnie de Gilles Bernard et Jean-Michel Litvin. La décision est tombée dans le sens espéré par les salariés, l'État et les collectivités. Le plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas été homologué par la directe et Ford va devoir revoir sa copie. Ça permet de se remettre autour de la table, d'envoyer un signal fort aussi à la direction de Ford en disant l'État ne veut pas lâcher comme ça et vous laisser faire un plan de licenciement qui ne se justifie pas aujourd'hui. Cette non-homologation est un signal que les pouvoirs publics, on envoie aux clients potentiels de Punch. Parce que c'est ça, bien évidemment, qui compte. Jusqu'à présent, on avait simplement le rouleau compresseur de cet énorme constructeur qu'est Ford, qui savait dire qu'une chose, non, 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 non. Nous, pouvoirs publics, on essaie de montrer aux clients qu'il y a vraiment des garanties de compétitivité, il y a des garanties de savoir-faire et donc des garanties de bons produits pour eux. Syndicats, État et collectivités disposent donc désormais de quelques semaines de répit, une période qu'ils comptent mettre à profit pour infléchir la décision du constructeur automobile. Je crois qu'il faut tout travailler, c'est-à-dire qu'il y aura effectivement peut-être des éléments concrets à compléter dans le cadre de l'offre de reprise, mais je pense aussi qu'il faut que tout le monde pèse de tout son poids, et notamment l'État, notamment le ministère de l'Économie, ce qu'avait fait Bruno Le Maire en son temps, continue à peser fortement sur Ford pour faire en sorte que cette entreprise emblématique de Gironde puisse continuer à exister. Faire pression sur Ford et consolider l'offre de reprise, une délégation intersyndicale doit d'ores et déjà se rendre chez Punch vendredi à Strasbourg. Philippe Poutou, on vient d'entendre les élus, mais l'état d'esprit de vos collègues, les salariés, les 900 salariés de Ford Blanquefort, il est dans quel état ? Ben, c'est très partagé, en tout cas. Tout plus monde de 10 pas... ans de lutte. Hein, oui, voilà, ça fait un peu plus de 10 ans de lutte. Donc l'ambiance qui est générale, c'est bien évidemment l'inquiétude, la peur du lendemain, et puis beaucoup de résignation qui se traduit par une passivité. Enfin, les collègues sont très spectateurs de tout ce qui se passe, parce qu'en fait, ils pensent qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut rien changer. Et on est, c'est vrai, il faut le reconnaître, une minorité à agir, même l'intersyndicale. Les syndicats sont divisés. Il y a 3 syndicats sur les 5 qui se battent aujourd'hui. Donc voilà, c'est vrai que c'est complètement compréhensible. C'est difficile aujourd'hui de relever la tête, de se battre. Et mais pourtant, il y a un réel espoir. Il faut qu'ils fournissent en gros des lettres d'engagement de potentiels clients pour que ça valide la reprise. De toute façon, nous, on est dans une situation où on ne fait pas de pronostic. Depuis le début, Ford a dit on va fermer, point barre. Et nous, ce qu'on dit, c'est que ben non, ça ne se passera pas comme ça, sans juger évidemment de l'espoir ou pas de changer. C'est qu'en fait, on n'a pas le choix en réalité. C'est qu'il y a tellement de chômage ailleurs. On sait tellement que c'est la catastrophe de la précarité, des bas salaires, des petits boulots en permanence. Donc du coup, nous, on se dit que la meilleure façon d'avoir un boulot, c'est de défendre celui qu'on a. Donc il y a une bataille, et cette bataille, on l'amène jusqu'au bout avec les moyens qu'on a. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on a réussi à un peu bousculer les pouvoirs publics et l'État, à les faire agir. Y compris fédérer l'ensemble des élus. Ouais, les, tout à fait, y compris donc Bruno Le Maire, parce que finalement, au bout du compte, en posant le problème de l'emploi dans la région, en montrant que finalement, une usine qui ferme, c'est un peu comme une tempête. Là, on parlait de la tempête tout à l'heure. C'est une catastrophe aussi, avec des dégâts énormes. Et ça veut dire des centaines, des milliers d'emplois autour dans la région. Donc voilà. C'est important d'arriver à défendre ça et d'arriver à rompre avec cette logique où finalement, les usines ferment les unes après les autres. Et en plus, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'usines qui ferment, donc Philippe Poutou, c'est important de résister à ça, par rapport à ça. Une dernière question, je vous coupe. Très concrètement, on sait que la prochaine étape, elle est cruciale. C'est quoi le calendrier et c'est quoi les espoirs? Très concrètement.
Ben, le calendrier, c'est déjà, on va rencontrer Punch vendredi à son usine de Strasbourg. Donc l'idée, ben, c'est de mettre la pression, c'est de montrer qu'on ne lâche pas. Il faut absolument qu'ils concrétisent leur projet, de voir un peu ce qu'ils ont de concret, enfin, voilà, comment, enfin, de pousser pour que ça aille jusqu'au bout. C'est aussi la pression sur Ford. Il faut que Ford accepte de discuter de cette reprise-là et il faut que l'État intervienne. Et c'est pour ça que le problème qui est posé, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, si Punch, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait derrière? Comment on sauve cette usine-là? Quels sont les moyens d'intervention de l'État? Parce que jusqu'à présent, ce qui est terrible, c'est que finalement, l'État, il est très impuissant.